En ce début d'année, Patrick Antonelli, le chéri d'Amel Bent, a été condamné à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis. Mais, même dans la tourmente, les tourtereaux ne se sont jamais lâchés. Ce jeudi 7 avril 2022, Amel Bent a fait une grande annonce à ses admirateurs via son feed Instagram. La jeune femme a confirmé que sa jolie famille s'était agrandie. « Mon prince. Heureuse et émue de vous annoncer la naissance de mon petit prince. En forme et en bonne santé grâce à Dieu. Merci pour tous vos messages d'amour et de bienveillance tout au long de cette grossesse que j'ai partagée avec vous. Maintenant, un peu de repos et beaucoup de câlins avant de vous retrouver. » La chanteuse file toujours le parfait amour avec Patrick Antonelli, de 16 ans son aîné. C'est en 2014 qu'ils se rencontrent pour la première fois. Un an plus tard, ils se marient et accueillent dans la foulée 2 petites filles. Si l'interprète de « Ma philosophie » s'illustre dans la musique, sa moitié est gérant de 2 auto-écoles à Neuilly-sur-Seine. Mais en 2016, un terrible scandale entache leur bonheur. Patrick Antonelli doit rendre des comptes à la justice. Il est accusé de vendre des permis de conduire à ses clients sans qu'il ne passe l'examen en échange de grosses sommes d'argent. Pour fructifier son business, le principal intéressé bénéficie aussi du soutien d'une employée de la préfecture des Hauts-de-Seine. En 2020, Patrick Antonelli est alors jugé dans un premier temps pour « corruption, modification frauduleuse de documents administratifs » par le tribunal correctionnel de Nanterre. Dans la foulée, l'époux d'Amel Bent est condamné à 4 ans de prison et d'une amende de 100 000 euros. Patrick Antonelli fait appel à cette décision de justice. En parallèle, il aurait divorcé de l'artiste pour des raisons fiscales. Le procureur a requis une forte amende contre mon client, alors qu'il a déjà été condamné l'an passé pour fraude fiscale à verser plusieurs centaines de milliers d'euros. Une somme qu'il n'est pas en mesure de rembourser. Et comme vous le savez, il a divorcé à l'amiable l'an passé. Car ce n'est pas à sa femme de payer, aurait affirmé son avocat. Le 27 janvier 2022, la cour d'appel de Versailles finit par trancher et acte 3 ans de prison dont 2 avec sursis à Patrick Antonelli. Depuis, Patrick Antonelli s'est reconverti à ce jour en tant que coach sportif.